Salut, c'est Gunther et bienvenue pour une vidéo replay de War Thunder, un replay germanique. Accrochez-vous aux balustrades parce que cette vidéo, vous n'êtes pas prêt d'en revoir une, en tout cas le véhicule sur lequel je fais cette vidéo, vous n'êtes pas prêt d'en revoir une parce que c'est une vidéo dans laquelle je ne suis pas mort et dans laquelle je fais plus de 1 kill. Je qualifierais ça presque d'une vidéo parfaite et d'une partie parfaite, même si je ne termine que 6e, dans un Beglite Panzer 57. Alors, je ne sais plus combien on dit en allemand, mais à vrai dire, j'ai totalement oublié. Alors oui, je l'ai fait parce que franchement, c'est, on va dire, une partie où je vais pour scouter, mais en fait, je flingue tout ce qui bouge. En fait, bon, soyons honnêtes, j'ai surtout flingué des DCA, et je fais le coup de grâce sur un véhicule que j'aime beaucoup, qui est un Jagdpanzer, qui lance, enfin, lance HOT, SSO, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est donc plutôt satisfait de cette partie, où franchement, bah, comme d'habitude, je ne bouge pas d'un millimètre et je me contente de faire clic désigné, clic désigné, clic désigné. Et vous pouvez voir qu'effectivement, je désigne quand même plutôt pas mal de véhicules. Hein, donc voilà. Mais c'est pas tout. 5 kills, 2 assistances à la destruction, 5 coups critiques, 10 coups de tiré. Vous voyez, c'est quand même pas énormément. Repérage 38 et une zone capturée. Ah non, c'est pas possible. J'ai capturé une zone. Ah oui, c'est vrai. En plus, je capture une zone. C'est fantastique. Putain, j'ai fait plus que je ne pensais. Donc, statistique du joueur. Donc, voilà, 5 kills, 3 assists et une capture. Oui, fantastique. C'est plutôt pas mal. Hein. Regardons les prix. Donc, tireur d'élite. Et oui, j'ai décimé une cible à... Mais avec un missile, c'est pas trop compliqué. Sauveur de char, vengeur, professionnel, renseignement, double frappe, série de frappes furtives et coup de grâce. J'adore ça, c'est les coups de grâce. C'est vraiment le truc qui me fait bien bicher parce que je dois avouer que c'est toujours le truc le plus sympa. Ça me rappelle un petit peu dans... Comment ça s'appelle là, dans des FPS, là, où quand tu fais la dernière... Le dernier frag, on voit l'action ralentie et tout le monde peut voir soit que tu te fais humilier parce que t'es le dernier mec à mourir, soit avec quelle classe tu vas exploser le mec en face, pam pam pam, et le mec il a la honte de sa vie. Bon, j'avoue que j'étais plutôt... j'ai fait quelques frags de fin, mais j'étais... De toute façon, j'ai jamais été vraiment très bon dans ces jeux-là. Voilà. Donc pour autant, hein, je pense que c'est de la merde. Hein. Je l'aime pas du tout ce véhicule et je le trouve tellement long à monter, tellement long, tellement long. Enfin bon, j'ai monté l'essentiel, on va dire. De quoi tirer droit, ça pour voir la nuit, ça j'essaye de le monter pour essayer d'avoir les optiques améliorées. Mais putain, qu'est-ce que c'est chiant. Alors c'est chiant à mourir. Franchement, c'est hyper chiant. Ça monte pas vite. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a fait. Et on va voir notre belle petite séance de camping à la campagne, parmi les pommiers, hein, c'est la map débarquement, enfin au bord de la map, donc Normandie, pommiers, Calva, hein, donc ça va être fun. Ouais. Allez, on va accélérer un petit peu. Donc, comme d'habitude, on va dire que je vais contourner le champ de bataille. Là, on est entre gens intelligents, donc on ne se gêne pas. Au miracle, pour une fois, un joueur qui ne te rentre pas dedans et qui essaye pas de te foutre dans le décor pour arriver premier sur le cap, sachant que je n'ai pas encore le moteur adéquat, mais ça suffit en tout cas pour dépasser tout le reste du groupe. Voilà, donc... oui, voilà le fameux cap que je prends. Donc j'arrive, je me mets ici, prêt à partir pour... Voilà, donc le but, c'est clair, ça va être de passer et de se positionner comme d'habitude dans ce coin-là pour faire de la désignation. Moi, très sincèrement, j'avoue que je joue ce truc-là, mais sans aucun...
comme je vous l'ai dit, j'arrive à faire un kill de temps en temps parce que j'ai. Voilà. Mais généralement, je meurs dans les premières secondes si j'essaye d'avancer un peu. Enfin, voilà, j'avoue que j'aime pas ce véhicule. Je n'aime pas ce véhicule. Je le trouve assez lourd, peu maniable. Alors, bon, petite parenthèse, comme d'habitude, je parle alors que je n'ai pas débloqué tous les éléments constitutifs du véhicule. Et donc, ça ne me donne pas une image objective du véhicule. J'imagine qu'avec tous les éléments moteurs débloqués, ça fera un petit véhicule nerveux, capable d'aller relativement vite. Voilà. Mais bon, en tout cas, au niveau du canon, moi je trouve que c'est quand même pas tout à fait ça. C'est un canon de 57 mm, mais c'est quand même pas un canon anti-char qui est capable de dégommer un char à 1 km de face, hein. Il faut vraiment qu'il soit de côté, et encore de côté, et qu'il soit pas trop blindé, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de jupe anti-obus, hein, charge creuse, parce que alors là, vous pouvez aller vous ranger vos obus, vous ne percerez rien du tout. Voilà. Donc là, je me dis, bon, bah finalement, je vais passer derrière la petite haie, on va essayer de faire ça discrètement. Et puis, en fait, je me dis, allez, on va aller directement là où je veux aller. Soyons fous, quitte à mourir dans les 10 premières secondes du jeu, c'est le moment. Je les ai passées, donc on est combien? À 3 minutes 22, c'est bon, je peux mourir. Là, maintenant, ma dignité sera sauvée et je ne serai pas humilié. Comme ça m'arrive parfois, j'arrive sur le champ de bataille, 3 secondes après, je suis mort. Donc c'est parti, on commence à faire du repérage, voilà, hop, hop, hop. Voilà. Et là, je décide de rester discret, de ne pas me mettre en plein milieu du champ pour jouer à Joe, la mouche du coche. Donc là, un T-54 qui est à 700 mètres, je me dis, surtout, tu bouges pas. Voilà, je repère la MX 10 RC. Parce que de toute façon, je me dis, le T95, il va pas bouger. Je vous rappelle, le T95, c'est un espèce de truc, c'est un des, comment dire, un TD lourd américain. Donc voilà, hop, je lui nique déjà un de ces machins. Je regarde la MX-10 RC. Mais j'ai la chance qu'il continue vers la ville. Et ma grande chance, c'est qu'aucun des mecs qui va se faire détruire ne va venir m'emmerder. Donc là, il y a un deuxième mec qui a dû être tué. Là, vous voyez, je continue à faire de la désignation. Pour l'instant, rien de bien fantastique, hein. Mais bon, je dois avouer que quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui est sur la map et dans quel truc il vous attend, bah ça vous permet quand même d'être un peu plus efficace. Là, j'ai désigné le T-54 et grâce à ça, le mec devait savoir par où il arrivait et donc bah, il a été détruit. Donc, un léopard. Lui il essaye de tirer, mais ouais, je vais juste couper un arbre. Là. Donc il y a le conquérant qui bouge pas, je me dis c'est mauvais signe, donc on va s'en aller. Bon, pour l'instant, comme je vous dis, c'est vraiment le type de partie chiant. C'est pour ça que je suis pas un grand fan de ce truc-là. Alors, vous pourriez me dire, je pourrais aller en ville et ouais, sauf qu'en ville, quand tu te retrouves face à un char de n'importe quel type, tu as vraiment beaucoup de mal à le détruire. Là, j'ai quand même beaucoup de chance dans cette partie, à savoir que, bah, en fait, j'ai pas été emmerdé.
J'ai pas été emmerdé par des gens qui, une fois détruits, en respawnant, se disent, il y a un mec qui est du côté droit de la map, on va aller lui faire la peau pour. Voilà, ils ont tous continué à aller tout droit vers le point A ou le point B. Donc c'était plutôt sympa. Là, vous allez voir, le kit 89, il va durer 3 secondes, je ne sais pas si c'est lui. Non, c'est pas lui. Donc là, vous voyez, normalement, le mec, il aurait pu se dire, je vais aller le flinguer. Bah non, même pas, il va pas bouger. Mais là, lui, il vient de se faire dégommer, là. Je crois que c'est le guépard qui va se faire flinguer. Voilà, c'est lui que j'ai eu avec un missile, donc 1,3 km. Et en fait, je crois que je ne vais flinguer que des DCA. Donc, effectivement, quand il n'y a pas de blindage, enfin des véhicules peu blindés, c'est un canon qui est relativement efficace, hein. Il perce quand même un certain nombre de millimètres. Vous voyez, à 500 mètres, il perce quand même 107 mm. À 1000 mètres, même, il perce 91 mm. Et donc, quand vous avez un véhicule type DCA, ils ont rarement des blindages de cet acabit, hein. Un char français, par exemple, 70 mm, ben voilà, ils ont au maximum 70 mm. C'est le type du char de la ligne 30 et pas en frontal, hein. Il faudrait vraiment que vous rapprochiez de près pour pouvoir le détruire. Mais vous voyez, potentiellement, il peut détruire un MX-30 de face. Mais avec des véhicules DCA, il n'a pas de problème pour les détruire de flanc, puisque c'est là que le blindage est moins important. Donc je me rapproche carrément là, de la zone de déploiement adverse. En plus, bon, je me dis, et là il y a deux avions, là, donc en fait, je me mets derrière la baraque parce que j'ai pas envie de me faire assaisonner. L'Ilyushin, bah, en fait, il va plonger sur le mec, et en fait, c'est le LA-15 qui va essayer de me. Je le vois qui se rapproche là. Voilà, donc bon, pas grand-chose à. Donc il va tirer quelques cartouches, mais bon, rien d'extraordinaire. Donc là, il y a le Vickers. Et là, comme un con, j'appuie sur le truc, là. C'est-à-dire que le coup est parti tout seul, c'est le cas de le dire. Donc il y a le M42 qui lui m'a repéré, qui est à 700 mètres. Donc 700 mètres, quand vous regardez la distance. À 1000 mètres, vous devez percer d'entre 100 et 95 mm, on va dire. Donc, M42, c'est un châssis de M3, donc de. Voilà, c'est pas pour dire, mais c'est à peu près de la merde, quoi. Ce que je veux dire. Voilà, le M42 là, hop, pardon. Ah non, je confondais avec un autre, là, c'est pas le M113, c'est un châssis de. Donc là, j'ai été touché. Donc je suis obligé de réparer. Et je retourne tout de suite. Le M50, là, qui. Hop.
Et le M50, par contre, c'est le M50 Ventouse, donc c'est vraiment, on va dire, du caca. Et là, pareil. Ça, c'est le coup de bol. Un obus et l'équipage est mort. Voilà, donc déjà 4 kills. Donc, finalement, il y a quand même, jusqu'à maintenant, 3 véhicules de DCA. Et le Ontos, c'est un anti-char. Donc, le Kugelblitz qui passe, le T62, là, je le repère plutôt. Donc là, il y a une grosse offensive en direction du point pour reprendre la position. Là, bah, c'est mal pareil. Hein. Surtout qu'ici, là, vous avez les mecs qui campent joyeusement. Là, il y a un Kugelblitz, c'est un Vicar qui se passe. Donc le Kugelblitz, a priori, c'est pas dangereux, donc j'ai pas besoin de le désigner. Mais vous voyez, le mec il se fait flinguer et il y en a un qui va sur le cap. Bon, en même temps, vous allez me dire, on est quand même bien situé, on a un peu d'avance. Et on a encore 3, 4, 5 chars actifs. Donc on peut se dire, on va quand même réussir. Donc là, je sais pas, j'hésite parce que j'ai peur qu'il y ait un avion qui se pointe. Donc du coup, là. Je leur dis d'attaquer le point B parce qu'a priori le point B il n'y a plus beaucoup de monde dessus, mais il y a plusieurs mecs qui font un ping ici, donc il y a peut-être un mec qui est planqué ici. Mais le point A eh ben, est en passe d'être recapturé, en tout cas il a été neutralisé et donc il est sous notre protection. Il y a bien un T62 qui est dans le coin. Donc il est même plutôt dans ce coin ici, là. Donc là, il y a un Raketenjagdpanzer Panzer 2, donc c'est avec le HOT. Donc là, je vais me mettre en embuscade. Et voilà, donc l'équipage étant en tête, eh ben, je l'achève. Donc pour l'instant, on a repris le point A et donc avec le décompte, ça va être bon pour nous. Et ça va se terminer ici. Voilà, ça se termine. Voilà. Donc une bonne partie compte tenu des résultats que j'ai avec ce véhicule. Qui ne sont pas franchement des résultats très, on va dire, bon. Hein, je vais être clair. Je fais rarement des parties comme ça, c'est pour ça que je souhaitais la partager avec vous. Et donc, mais je vais être tout à fait honnête, hein, j'ai qu'une hâte, c'est passer au TAM et au Léopard A1, A1, au moins eux, c'est des chars que je saurais jouer, hein. C'est genre AMX-30, sauf je pense qu'il y a un stabilisateur. Hop, bon, tiens, on va faire un essai du véhicule. Par contre, la munition d'entrée n'est pas bonne, hein. La TM13, on ne peut pas dire que ce soit vraiment ça. Bon, il y a un stabilisateur, donc voilà. Donc, mais. Vous voyez, ricochet, donc ça promet. Face à des T-54, T-62, franchement. Voilà. C'est pas vraiment une super top munition. Voilà. Casser le canon, c'est déjà ça.
Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas les trucs qui a débloqué, mais en tout cas, ça fait pas terrible, hein. La ligne de tourelle, généralement, c'est là qu'il y a toutes les munitions. Et là, t'es sûr de faire un amourak. C'est pas pour rien qu'il est à l'arrière du blindé, hein. Alors là, avec les T-72, on arrive carrément au client un peu sérieux, là. Voilà, enfin bref, c'est pas. Il va falloir débloquer la bonne munition, au minimum la munition hit, on va dire, pour ce véhicule-là. Voilà, modification, donc pof pof pof, la DM12 et surtout la DM23, qui pénètre à peu près tous les blindages. Enfin, c'est pas qui pénètre tous les blindages, c'est que ça, en tout cas, c'est plus efficace contre certains types de blindages. Voilà, donc, plutôt satisfait, on va dire, de cette partie qui. Bah, se termine positivement, je ne suis pas mort. Et autre point positif, c'est que j'ai dessoudé 5 mecs, donc plutôt ouais, bonne. Et j'ai rempli mon objectif, faire chier le monde. Donc objectif contrat rempli, contrat de confiance a été fait. Voilà, donc c'est plutôt. Voilà, bon, bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et à la prochaine. Ciao, ciao.